Est-ce que vous vous souvenez, vous étiez trop bébé, vous, mais Jurassic Park, le premier Jurassic Park, c'était il y a 25 ans. Et notre correspondant aux États-Unis, Claude Budin-Juteau, avait envie de nous emmener, de vous emmener sur les lieux du tournage, emblématiques évidemment, notamment à Hawaï. Regardez, souvenir. Jurassic Park, l'original, fête cette année son 25e anniversaire. Le film qui a révolutionné le cinéma en introduisant les images de synthèse a cependant été tourné en décor naturel. Mais ce qui était supposé être Costa Rica a en fait été filmé dans les îles d'Hawaï, à commencer par l'île d'Oahu, la plus connue. Aloha, welcome to Kualoa Ranch. My name's Daniel. We're here in Ka'ava Valley, also known as Jurassic Valley. This is where Jurassic Park and both Jurassic Worlds were filmed. Depuis, les vaches ont remplacé les dinosaures, car Kualoa Ranch est une véritable ferme qui produit sa propre viande. Daniel Sanchez, qui travaille au ranch, expliquera que Steven Spielberg filmait Jurassic Park sur une île voisine quand il décidera de venir terminer le film ici à cause de l'ouragan Iniki qui frappa Kauai en 1992. When he came to Kualoa Ranch and he loved our mountains, if you see the mountains, the way they look like Kauai. So then he came and filmed that one scene where the kids hide behind the log. So right here, we have the most popular dead log in the state of Hawaii. Et le tronc d'arbre mort est toujours là, il n'a pas bougé. Il reste même des os de dinosaures, mais qui font partie d'un autre film, Kong Skull Island. De loin, ils ressemblent à des originaux. De près, on s'aperçoit qu'ils sont en polystyrène expansé. Une technique qui s'applique aussi aux constructions abandonnées après les tournages. This is actually a bunker in the latest Jurassic World, Fallen Kingdom. Looks real, but like movie magic, all styrofoam and wood, all hollow inside. Si ces constructions érigées temporairement pour les films ne vont sans doute pas durer, les paysages, eux, sont là pour rester. Et les îles d'Hawaï se prêtent parfaitement aux scènes de poursuite sur fond de montagnes majestueuses ou de jungles luxuriantes. Kauai, la seule île utilisée au départ pour Jurassic Park, a également des paysages extraordinaires et variés. Kauai possède aussi des particularités uniques, comme ces arbres appelés Moreton Bay Figs, situés dans le fameux Allerton Garden et qui figurent dans une scène de Jurassic Park que Clayton Addison connaît par cœur. And when Dr. Grant crosses over these buttress roots, he pops down right here. And he discovers a nest of velociraptor eggs. You know what this is? It's a dinosaur egg. Mais l'endroit le plus recherché de Kauai, et que l'on ne peut atteindre que par hélicoptère, ce sont les chutes de Manawaipona, que Spielberg utilise lors de l'arrivée de son équipe de chercheurs dans l'île, et qui offre un arrière-plan spectaculaire. Gary Peterson, le pilote de la société Island Helicopters, se rappelle parfaitement de la scène. This is where it was filmed 25 years ago. You remember the opening scene coming in up the valley, kind of hovering over the waterfall, and a straight down landing to the helipad. A couple of jeeps parked up there where those people are, and welcome to Jurassic Park. Un quart de siècle plus tard, les endroits où ont été tournés Jurassic Park restent inchangés. Les îles d'Hawaï continuent à servir de décor à de nombreux films et ne sont pas prêtes à être détrônées par les images de synthèse. Que de souvenirs!